bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons parler de la cuisine. J'ai des petits travaux à faire et du ménage. Mais je vais commencer par une chose importante. Je vais nettoyer la plaque correctement. J'ai des petites traces là que j'arrive pas à enlever juste avec le produit. Donc je vous montre tout de suite comment je fais, quel produit j'utilise quand je veux nettoyer la plaque en profondeur. Pour nettoyer ma plaque au quotidien, j'utilise mon produit maison, moitié alcool ménager, moitié vinaigre ménager. Mais quand je veux la nettoyer en profondeur, vraiment la meilleure marque pour nettoyer, selon moi, c'est VitroClean. Et je prends mon petit grattoir. Donc c'est ce que je vais faire. Je mets pas mal de produits, je laisse agir et j'utilise le grattoir. Après avoir laissé poser à peu près 10 minutes, donc pour moi c'est important parce que comme ça tout peut ramollir et ça va vraiment partir rapidement. J'utilise donc mon grattoir. Donc c'est un grattoir que j'ai eu tout simplement à Auchan, je le trouve très bien. Et c'est un grattoir exprès pour les plaques, comme ça je suis sûre que ça ne va pas l'arrayer ni l'abîmer. Mais je fais attention de ne pas frotter trop fort non plus. La plaque est désormais propre et rangée, je suis bien contente. Mais pourquoi l'avoir nettoyée à fond? Tout simplement car elle va aller dans une autre maison et nous allons changer la nôtre. Je vous montre tout de suite celle que nous allons mettre. Et voici la nouvelle plaque que nous allons installer qui vient du site Amazon. Donc l'ancienne n'avait que 3 zones différentes. La nouvelle en a 4. Donc elle a 4 différentes zones. Donc 2 fois 1500 watts et 2 fois 2000 watts. Et elle a surtout une partie qui est flexible, qui va s'adapter au matériel qu'on va poser dessus. Par exemple, j'ai une petite grille plancha que j'utilise de temps en temps. Et là, ça va vraiment pouvoir se chauffer sur la totalité de ma surface, ainsi que pour les grandes cocottes, les grandes casseroles. Ça va vraiment s'adapter à la surface qui sera posée sur la plaque. Et ça, c'est vraiment intéressant. Après, il y a d'autres choses qui m'ont plu pour cette plaque parce que c'est comme tout, il y a toujours énormément de choix. C'est vrai que maintenant, c'est à celui qui aura le plus d'options. Elle est censée faire chauffer 1 litre d'eau en 1 minute. Elle a 9 niveaux avec booster. Elle a une fonction maintien au chaud. Donc ça, j'ai vraiment hâte de tester également. Je laisse Simon l'installer. Avant que monsieur commence, j'ai débarrassé le four, les petits plateaux. J'ai mis sur le côté pour qu'il soit tranquille. Pour changer le fil de la plaque, il faut sortir le four parce que nous, le fil passait derrière. Et je me suis dit, en voyant ça, peut-être il faudrait que je mette un petit coup de nettoyage. Donc, c'est tout ce qui a dû passer sous le four, je pense. Enfin, je ne sais pas trop comment. Et bien, donc, je vais m'en occuper. Nettoyer vraiment tout ce gras qu'il y a, et ben je vais utiliser ce produit Monsieur Propre ultra dégraissant. Donc comme pour la plaque, je vais pulvériser du produit un petit peu partout, je vais laisser agir des petites minutes et je vais nettoyer avec une microfibre. Ça devrait être suffisant. Thank you.
Donc sous le four, c'est propre, nettoyé, essuyé. Alors c'est comme tout, on voit bien que c'est un endroit qui se salit. Mais honnêtement, est-ce que j'ai l'intention d'enlever mon four plus régulièrement pour nettoyer? Honnêtement, il y a peu de chance. Donc je laisse Simon du coup changer au niveau des dominos pour changer le fil et du coup pouvoir changer la plaque. Et pour enlever le four, juste 4 petites vis. Pour franchement, on ne pensait pas que c'était aussi simple. Du coup, on est très content. Avant de pouvoir installer la plaque, t'as pas mis le fil d'ailleurs? Non, je l'installe en premier. Ah d'accord, ok. Il met un petit coup de silicone, comme ça, s'il y a des choses qui coulent, ça ne coule pas à l'intérieur. Parce que vous pouvez voir qu'au niveau du four, il n'y a jamais rien qui a coulé dessus. Donc comme quoi, c'est ce qu'il faut faire. Mais bon, je non, pense puis que... ça la tient, ça fait la colle aussi. D'accord, donc silicone colle. Et donc voilà, on a gratté l'ancien silicone qu'il y avait autour. Donc voilà, je laisse Simon faire. Maintenant que la table de cuisson est installée, je prends le temps de lire le mode d'emploi. Donc là, ça nous donne des exemples pour la zone flexible, ce qu'on peut faire. Donc je prends le temps de lire pour savoir l'utiliser correctement. Bon, je m'amuse à tester si l'eau bout vraiment en une minute. Là, ça va faire une minute et ça va pas tarder à bouillir, donc c'est cool. Mais je m'arrête là. Donc ce matin, j'ai acheté ce produit Monsieur Propre ultra dégraissant, donc c'était pas pour nettoyer en dessous le four parce que je pensais pas que ça serait sale, c'était pour faire le dessus du frigo, tâche que je n'aime pas faire, donc c'est pour ça que je voulais essayer de trouver un produit vraiment dégraissant. Le nettoyage au-dessus du frigo est déjà fait. Je n'en reviens pas moi-même. Il n'y a plus une trace sur le frigo. C'est nickel. Mais vraiment, je suis impressionnée par ce produit. C'est vraiment de tous les produits que j'ai testés. Vous savez que j'en ai essayé un million. C'est vraiment le plus dégraissant. Et en plus, c'est au hasard parce que du coup, je m'étais dit, il faut que je trouve un produit dégraissant. Et comme c'était écrit dessus, ultra dégraissant, le packaging m'a donné envie et effectivement, je vous le conseille, il est vraiment hyper efficace. Mais je tiens quand même à préciser quelque chose, c'est que pendant un moment, j'avais un produit dégraissant que j'utilisais au quotidien dans ma cuisine, mais après, je trouvais que ça laissait une petite couche vraiment sur les différentes surfaces et j'avais un petit peu de calcaire qui revenait un petit peu au niveau de mon évier. Donc c'est pour ça, je préfère quand même utiliser au quotidien mon produit parce que je trouve qu'il enlève bien le calcaire, il met pas de fine couche sur les surfaces, mais si vous avez comme le dessus d'étagère, de meubles, de frigo, quelque chose d'incrusté, ce produit sera parfait, mais pour le quotidien, je le conseille pas vraiment. Moi, je l'ai eu interne, mais je suppose qu'il est un petit peu partout. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.